J'ai envoyé une notification à tous les officiers pour la réunion de 16h. Je suis vraiment obligée d'y aller. Évidemment, en tant que chef de guilde, vous seul pouvez décider des quêtes prioritaires. Mais on l'a pas déjà fait ça? Si, la semaine dernière. Mais dans ce cas c'est bon, non? Entre temps, il y a eu la mise à jour hebdomadaire. Dame Gaïa, où allez-vous? Faire une quête. Vous avez 15 minutes. Disons plutôt 20. Allez, s'il te plaît, juste un... Ah merde, tu vas me foutre la paix, oui. Attends, mais avec le stuff que tu as, ça te prendra même pas une heure. Allez, s'il te plaît. Bon, alors écoute-moi. Aujourd'hui, tu dois être au moins la 150e personne à me demander un petit service. Tu vois, donc si moi, j'accepte de faire 150 rushs de même pas une heure, eh ben j'ai plus de vie. Et tu vois, de toute façon, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas 150 heures dans une journée. C'est ok, crie pas. Ah mais je crie pas, là. Par contre, si tu continues, je vais me mettre à hurler, et en plus... Je vais te défoncer avec ma furie légendaire! Le cataclysme? Défonce-moi! Que je puisse prendre un screenshot avant de mourir! Putain, il m'a saoulé, lui! Bon débarras, hein? Oh non, pas elle! Oh non, pas lui! Je te préviens, Gaïa, je suis absolument pas d'humeur à me friter. D'ailleurs, je viens de claquer un cataclysme sur un péon de ma propre faction. Ça te donne une vague idée de ma santé mentale! Ça va, pas la peine de te justifier, hein. De toute façon, ça m'arrange. Sérieusement? Sérieusement. Ouh là là. C'est devenu n'importe quoi. J'ai même plus le temps de jouer. Moi, c'est pareil, hein. Je peux plus faire un pas sans qu'on vienne me commander un rush, une capture d'écran. Et je ne te parle même pas des grandes guildes qui essayent de me débaucher. C'est pire que des sangsues. C'est ridicule. Il faut que je valide tout. De l'ordre de rangement du plus petit item dans le coffre de guilde à la priorisation des raids pour l'intrigue principale. Je sais même plus où aller pour qu'on me foute la paix. Tiens, pas plus tard que tout à l'heure, il y en a un qui est venu me chercher dans la zone de départ des newbies de l'ordre. Oh mais tu le crois ça? Mais le pire, c'est que je suis ravie d'être chef de la plus grande guilde d'Horizon 4.0. Mais là, c'est l'overdose. Et pourquoi vous ne faites pas un reroll? Non mais de quoi je me mêle toi? On t'a jamais dit que c'était mal poli d'écouter les gens? J'ai pas écouté. J'ai entendu. Nuance. C'est ça, fais ta maligne du haut de ton... un niveau et demi. Et voilà, la réplique typique des joueurs HL pour qui les joueurs de niveau 1 sont insignifiants. En même temps, t'as pas d'XP, t'as pas de stuff, t'as pas de charisme, t'as... rien. Et du coup, on n'a pas de responsabilité, on n'est pas sollicité, et on a le temps de s'amuser. C'est QFD. Mais ok, mais je le prends où, moi, le temps de monter un reroll? Ah, c'est sûr que si vous voulez retrouver l'ambiance de vos débuts, il va falloir le prendre. On n'a rien sans rien. Elle a raison. Elle a raison sur quoi? Mais surtout, j'adore le haut niveau, mais je regrette aussi l'époque où on jouait comme ça sans se prendre la tête. Sans se prendre la tête... J'irai pas jusque là, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ne me remerciez pas, c'est mon job. Je suis psy, RL. Une dernière chose, évitez de créer votre reroll dans la même faction que votre avatar principal. Et qu'est-ce que ça change? Vous auriez du mal à vous faire oublier. C'est vrai. Connaissant les loustiques, ils continueraient de me harceler. Moi, ils feront tout pour me forcer à connecter mon main. Une chance que ce jeu compte 3 factions. T'as toujours pas fini ta quête de récolte? Non, mais j'ai pas perdu mon temps. J'ai réussi à affaiblir la coalition et l'Empire. Et comment t'as fait pour accomplir un tel miracle? J'ai réussi à convaincre deux de leurs meilleurs joueurs de créer des rerolls niveau 1 dans l'ordre.